messieurs, bonjour, bienvenue. Vous êtes bel et bien sur ma chaîne officielle, Love Poto officielle. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, parce que le Congo est représenté grâce à son festival qui devient international, donc le FESPAM, le Festival Panafricain de Musique, qui est en train donc de se dérouler actuellement ici au siège de l'UNESCO en France. Donc ce festival a réuni plusieurs artistes qui sont venus de partout, les artistes. Oh,
Non, mais de toutes les façons, le FESPAM a souffert. Nous avons connu une période de léthargie. Aujourd'hui, qu'on a rallumé la flamme pour que le FESPAM reprenne ses droits, c'est une très bonne chose. Et là, nous sommes à l'UNESCO pour le lancement du FESPAM. Et j'espère que pour ce coup-ci, il n'y aura plus d'accalmie et que ça va continuer parce que c'est un fleuron de la culture, c'est un fleuron de la promotion musicale de la musique en Afrique. Et on a admis la rumba à l'UNESCO et c'est très symbolique aujourd'hui que le lancement du FESPAM se fasse également ici à l'UNESCO. Donc, bon vent. Au mois de juillet, nous pensons pouvoir être là pour participer à cette grande fête africaine, de la musique africaine. Et le thème cette année, c'est la rumba. Donc, nous allons donner le maximum de ce que nous pourrons pour la rumba congolaise des deux rives. Norma de Paris, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue au Festival panafricain de musique. Aujourd'hui, dans le lancement au niveau international, se passe ici, même dans le siège de l'UNESCO à Paris. Quelles sont vos impressions par rapport à ce festival, vu le temps qu'il y a eu, le temps d'interruption? Aujourd'hui, les autorités ont quand même pensé relancer ce festival et l'internationaliser. Non, c'est une grande réussite et une grande satisfaction. Vous savez, le Congo, c'est un petit pays, mais un grand pays. Peu importe nos divergences, mais quand il s'agit de représenter valablement le pays, on est tenu de répondre présent. Et on a répondu présent, c'est pour représenter les fils et filles, et papa et maman qui sont au Congo, qui ne peuvent pas être là. Et nous qui sommes sur place, nous sommes tenus d'être là pour représenter valablement les couleurs de la nation. Ben, c'est une réussite, la preuve, Norma de Paris, il est international, il est là. Donc c'est une grande réussite, parce que Norma de Paris, vous savez, il n'apparaît pas n'importe où. Donc s'il est là, ça veut dire que nous sommes là pour bâtir, être unis, et une seule et unique personne. Donc nous faisons ça pour être unis et aller de l'avant, surtout de l'avant pour notre beau pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Le présent ne reconnaît pas l'ombre. Je suis pas ceux qui mettent en valeur en évidence. Je suis le maître de votre maître. Bonsoir, ce soir, c'est toujours avec un grand plaisir. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter les héros dans l'ombre. C'est vrai que nous sommes devant, ils sont derrière, mais c'est les héros dans l'ombre, c'est eux qui créent, c'est eux les créateurs. Alors voici pour vous, c'est elle, devinez-nous. Sans plus tarder,
ce mois-ci aux Originals. Mesdames et messieurs, voici pour vous André à la batterie. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît, applaudissez. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Ok. Voici pour vous le maestro Théo. Thank you.
représenter votre orchestre au niveau du lancement officiel du Festival panafricain de musique qui a été internationalisé. Après tant d'années d'interruption, quelle est votre impression? Ben, je suis très content, très ému, parce que bon, le festival réunit le peuple, il faut le savoir. Donc, à travers le festival, la culture renaît, parce que l'identité d'un peuple, c'est sa culture. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Paris pour l'ouverture du festival. C'est vraiment un grand plaisir, c'est génial, c'est vraiment génial. Est-ce que c'est une réussite pour les autorités qui ont pensé que ce grand festival qui faisait que tout le monde se réunisse autour de la culture et de la musique, est-ce que c'est une réussite pour les autorités congolaises? Ah oui, c'est une réussite parce qu'il faut savoir que on ne peut pas régler les problèmes de ce monde qu'à travers la politique. À travers la culture aussi, on peut régler. Donc, une fois de plus, le festival, c'est le Mbongi. Donc, c'est un peu ça. En tant que figure emblématique de notre cher beau pays, le Congo, que pensez-vous de cette nouvelle génération qui est en train de monter aujourd'hui au niveau musical congolais? Ça rassure. Ça rassure parce que quand on n'a pas la relève, ça fait peur. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils sont en train de damer le pion. En tout cas, franchement, on peut se reposer, nous. Nous, les anciens, on peut se reposer. Actuellement, je sais que votre séjour tend vers la fin, vous allez bientôt rentrer. Et vous êtes en train de préparer votre album Nzungu. Est-ce qu'il y a-t-il déjà une date officielle de la sortie de Nzungu? Ça sort le 21, le 21. Merci beaucoup. Le 21 juin, merci. Merci beaucoup. Afaransena Fukushima, Monsieur Tout Congo, bonjour. Bonjour. Lelo Nakacha, Festival panafricain de musique, lancement au niveau international, Festival panafricain de musique en sigle FESPAM reconnu à l'UNESCO. Plaisir n'est Zanini, quelles sont tes impressions? En fait, plaisir n'est Zanini, n'est le ministère de la culture, et comme il reconnaît mon talent. Tu vois, donc ça a félicité. Nous avons eu une invitation pour participer à la FESPAM à niveau international. Vraiment, et continuer à bon. Dans ce pays, merci vraiment. Félicitations. Et puis, on a eu une carrière, c'est pour une première fois que vous participez à la FESPAM? Oui, c'est pour la première fois. Et au niveau national, puisqu'on va voir au niveau national, ça va être lancé en juillet. En fait, qu'est-ce que tu attends de donner à ton public? Ouais, mais le fou, le baby, le fou va monter, le baratro te. Donc, base à la passion. Rendez-vous comme Rolando. On va au programme, on a gagné au Liga. Public, bien sûr, baby, bon moment à Macam. Afro-mobilisation actuellement, on peut le dire sur la scène internationale, et c'est un titre qui cartonne. Aujourd'hui, Afaransena, qu'est-ce que tu te dis? Osa artiste Oyo a réussi qu'au Afro-mobiliser ba mélomane. Non, on a le seul artiste à fond vocaliser. Nous avons un grand modèle, un succès. Nous avons bien joué ma gambo. Moi non. Ouais, donc, quand je suis passé à la musique, nous avons bien joué ma gambo. Mais la vocalisation est ma gambo. Actuellement, à Paris, est-ce qu'il y a déjà des programmes au PCO, 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 son programme Nayo? Parce que on a l'impression que à France, Nayo, France est comme un voyage aller-retour. Oya Kapambate, tourisme était, mais Oya Kapona Moussala. Quelles sont les dates? Normalement, je devais venir le premier. Mais si je suis là, il n'y a pas de FESPAM. Il y a un programme dans le Maro. Le 3, il y a un Lyon. Le programme est belé. Il y a un France le 17 juillet. Le 17 juillet, il y a un programme. Le programme est vrai belé, vraiment. Le programme est belé. Et puis, il y a un Braza. Au rendez-vous, il y a un Braza. Le 24, on a un concert à Ville-Zébira. Dans le stade. Est-ce qu'il y a Farantena? Afaransena serait présent le 24 juin pour le stade de Rogaro. Ouais. Et ça va bien la Rosalawana. Mais en Gamoro concerne en Gamoro le 19. Le 19 août. Le stade. On a des bandes à parler. On te voit plus proche de Ted Morgan. Est-ce qu'Afaransena a au signé de Ted Morgan ou c'est Ted Morgan qui est en train de manager que Afaransena a ça avec exploit? Oui, c'est Ted Morgan, mon manager qui a fait la salle à l'espoir. Moi, dernier mot, je suis capable de faire la vie. Oui, mes fans, je suis le fou là. Force Nabino, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, rendez-vous à Moko. Rendez-vous à Moko le 24 dans le stade, ma fan, dans le Nyoso. Donc, nous allons soutenir la vie de Zébira. Merci beaucoup, Afaransena. Okay.
Bonjour à tous, je m'appelle Séraphine Ekoa, je suis donc la présidente du groupe multisecteur Africa Advice. Nous sommes donc dans la distribution des produits Made in Congo, Made in Africa. Notre slogan, c'est d'être la vitrine du Made in Africa. Nous avons également un restaurant qui s'appelle Moussaka de Beach, qui est positionné à Kintele, ainsi qu'à Potopoto. Et donc, nous sommes là également au titre du Club des femmes entrepreneurs du Congo, parce qu'on ne fait pas d'entrepreneuriat tout seul. Lorsqu'il y a 8 ans, je suis rentrée, puisque moi je fais partie de la diaspora afro-descendante, j'ai décidé de rentrer, de me baser à Brazzaville. Ça n'a pas été facile parce que ce n'était pas facile de trouver l'information et de se rendre compte que c'est moi qui ai besoin de Brazzaville, ce n'est pas forcément le Congo qui a besoin de moi. Et donc la chose qui a été la plus importante pour moi, ça a été de faire un réseau dans lequel les femmes entrepreneurs, puisque c'est de ça dont il est question, dont les femmes entrepreneurs puissent se retrouver entre elles pour échanger les bonnes pratiques, pour améliorer leur commerce et surtout pour lever des fonds également pour pouvoir développer leurs entreprises. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui sont dans des femmes qui conduisent des taxis. Nous avons des femmes qui font de la mécanique. Nous avons des femmes qui font de la transformation agroalimentaire et la taille des entreprises ne fait que grossir. Et donc, on a eu la chance de participer grâce à l'Agence nationale de l'artisanat à la Foire de Paris qui nous a permis de faire connaître nos produits. On a une page Facebook qui s'appelle le Club des femmes entrepreneurs du Congo, CFEC. Nous sommes également visibles sur la chaîne Africa Shop. Sur Facebook également, nous avons déjà 21 000 abonnés. Et sinon, vous pouvez nous joindre directement. J'ai une page LinkedIn, Séraphine Ekoa. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui aiment l'entrepreneuriat ou qui veulent soutenir les femmes entrepreneurs ou qui veulent investir au Congo-Brazzaville ou en Afrique centrale, parce qu'on fait Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ainsi que toute l'Afrique centrale, mesdames, vous êtes les bienvenus.